Salut à tous et à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo des skills en action. Du coup, pour l'event Archive Avis de Tempête. Un peu tardive la vidéo, mais aïe, on y est. Du coup, les derniers skins, Chacal, Macri, Zarya. Donc Chacal, plutôt sympa évidemment, hein. Le skin Circus, skin Joker je crois, ou un truc comme ça, Clown en français. Donc vraiment très très sympa pour un skin épique, je le rappelle, donc très très coloré, évidemment beaucoup de gens n'aiment pas, beaucoup de gens aiment, et c'est ça qui fait évidemment sa petite touche personnelle, parce que les couleurs flashy, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Le skin Deadlock, Macri, bon, une petite touche évidemment du lore qu'il fallait apporter de toute façon dans les skins, hein. On était obligé de l'avoir ce skin, c'est chose faite, et il est quand même plutôt badass, il est quand même plutôt pas mal, et il est jeune, il est... Bon, jeune, ils ont gardé le Macri qu'on connaît, le modèle, mais voilà, ils ont fait de sorte que c'était quand même un petit peu plus jeune. Il a un accoutrement un petit peu plus, voilà, stylé, on va dire. Moins vieillot, avec son poncho à la con, etc. Et on finira sur Zarya, Zarya Racer. Alors, celui-là, je crois que c'est le pire de tous, de tous les skins de cet event, malheureusement. C'est dommage. C'est très dommage, j'aurais pu faire mieux, évidemment, en skin épique, hein, on l'a vu avec Chacal. Donc, dommage, très dommage. Mais en tout cas, ça ne nous empêchera pas de passer directement in-game. Ok, on est parti sur Zarya. Alors, perso que je joue jamais, que on va dire je manie très mal. On va voir, on va voir. La surprise du chef. On va voir. Surprise. Par contre, les teammates, il faudra qu'ils avancent parce que si j'ai personne à protéger. Hé hey. Personne à protéger, donc personne à sur qui me charger. Et donc, comment on fait après? Oui, bien sûr. La fameuse lampe into la voiture. C'est bien connu. Eh ben non, t'es mort. Zarya Sulu. Oh. C'est pour ça qu'on futurera peut-être sur un autre pic après. Parce que si les alliés vont de la merde. Une dernière. Oh. Oh, il s'est pris une grosse tête. Il a pris la grosse tête. Lol. Et donc ça va être la grosse grave ou pas? On a besoin d'un bastion. Voilà, super. Tommy dans tout ce spawner, il fait rien, il ça gagne. C'est génial, hein. Wouh. On se calme. Où sont les leaders? Où sont les femmes? Allez, c'est bien, continuez à tirer sur mon... Allez, la lampe qui fait chier encore. La lampe qui est toujours là. Je ne vois rien, mais c'est pas grave. On finit par tomber. Avec la Moira, évidemment, qui ne heal jamais. C'est bien connu, la Moira DPS. New Meta. Par contre, faut que Bastion se mette en tourelle. Non, Bastion se mettra pas en tourelle parce qu'il y a l'outil Baptiste. Ah oui. Allez, on push, 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 on push. Aïe, aïe, aïe. Allez, on est plutôt bien, on protège le bastion, toujours et encore, on est là, on est présent, into the place, in the place. Et on reprend les deux. Ils font chier avec leur lampe. Oh là 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 là. Ça pousse, 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 ça pousse. Et on a re-shield. Self shield. Ok. Tommy n'a encore rien fait, c'est génial, ça marche bien. On est plutôt bon là sur la lancée. On continue. On reste du coup sur Zarya, on push jusqu'à la fin. On appelle le bastion. C'est un bastion qui revient du coup sur le mauvais spawn, c'est dommage. La performance exceptionnelle du joueur de Zarya. Qui ne fait qu'une grave en 5 minutes.
et qui va se faire souiller, comme dit Baptiste. On se calme, on se calme, on se calme. Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a? Hop, 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 hop. Oh oui, le magnifique Rez, le bait. Le bait. La grosse bait, la grosse bestiasse. Ah, à un moment donné, je peux pas tanker tout, en fait. C'est bien, Zarya, mais solo, Zarya. Et à un moment donné, c'est pas possible. Tu seras sûrement sur un deuxième perso plus viable, ou en tout cas, sur les persos qui nous restent pour les skills en action. Il nous reste plus que du Junkrat et du Macri. Est-ce que ça va être viable? Je ne sais pas. Et la fameuse lampe. Le cooldown qui devrait être de 30 secondes, le truc il revient toutes les 10 secondes. C'est bon? Bonjour. Allez, on push, on push, on push, on push, on push. Qui c'est qui est là-dedans qui va mourir? Le chacal qui va pas mourir. On push, on push, on push, on push, on push, on push. Ah ah, j'allais dire, comment tu fais pour me tuer? Bah là, non, ça marche toujours en fait. La Widow était au fond. Eh bah oui, eh bah oui. Du coup, il n'y a plus de grave. C'est bon, on peut switch. On va pas switch sur chacal parce que je suis pas assez assez suicidaire pour ça. Mais par contre, on va switch sur un Macri. Sur un Macri qui normalement n'est pas du tout exceptionnel parce que je ne le joue plus depuis quelques saisons. Plus l'occasion en tout cas. Sur le fameux skin Deadlock. On va la faire descendre le... Aïe! Le pneu, le pneu, le pneu! Le pneu! C'est bon, on a perdu que la Widow, la Orisa. Un peu la même chose, mais en différent. Ah, la fameuse lampe! Génial la lampe! Merci Blizzard hein, de cet ajout dans le jeu! La Widow qui en a rien à foutre de mes balles! Ah bon? Ah ah! Oh oh! Ah, mais personne! Et on est plutôt bien du coup. Et c'est le push final. Ou pas, parce que nous sommes devant le spawn. Nous sommes à deux doigts. Oula, oula Tommy. Oula. Nous sommes à deux doigts. Attention. La flashbang qui était pas quasiment bien placée. Attention, Ainun. Une dernière volonté. Ils se cachent tous. Lol. La lampe qui fait chier et le shutdown du monkey ont détruit le shield et c'est le GG pour cette partie. Il a fallu switch évidemment cette Zarya, Zarya qui n'avait pas de plus-value sans son Reinhardt et donc ça passe mieux évidemment avec un DPS et une Orisa puisqu'on avait Bastion. C'est normal, mais comme nous sommes en skin en action, du coup, on n'a pas pris d'Orisa, ce qui est normal. Donc voilà. Donc évidemment, on passe directement sur la game suivante. Ok, on est parti sur Chacal. On a mis un trap devant la porte à l'ancienne, comme en 2016. Est-ce que ça va fonctionner? Eh oui, ça fonctionne sur la hache. Oh là 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 là. 2-3 ans après, ça fonctionne toujours. C'est juste génial. C'est juste génial. Bon, par contre, ils ont un Doomfist en face. Ça va être très compliqué. Donc, on va faire ça. On va faire ça et on va pas se faire engage. C'est tout, hein. Faire attention parce que le Doomfist, voilà, à tout moment il débarque. Et donc, à tout moment, il faut lui lancer des granates. Elle fait quoi, elle? Elle vient d'où, elle, surtout? Pardon? Je t'ai pas vu passer. Un petit coup de pouce. Non, 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 on ne me touche pas avec ces trucs qui boulent. Coucou! Descends, 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 descends. Il va te faire mal là-haut. Il va te faire mal, après il va se passer des trucs encore. Oh! Macri! Macri, no! Viens par ici, regarde. Un petit piège. C'est cool, ouais. Eh ben, elle est là-haut, hein, du coup.
C'est peut-être la Symmetra qui va se faire manger. Ah, attendez. Hop! Hop! Touché! Et Macri, du coup, il est pas dans le trap. Du coup, je vais faire ça plutôt. Et Macri. Ah! Le salaud! Ils ont switch sur un soldier. Il n'y avait pas de soldier. On a 3 hitscans. Et à un moment donné, il va falloir se cacher, les gens. Hein. Ça va être très compliqué. Et chacun, on sera plus à l'aise sûrement sur le. Tu fais toi. J'ai pas de. Tu attends. Oh, j'ai pas de mine. Ah non, pas toi. Hein. Elle dirait trop, Satanas. Touché. Allez, dégage. Attention, ça va péter. Personne. Oh. Moi qui voulais ardemment vous. Ha. Je suis allé te chercher jusqu'au spawn. Craignez-moi. Mais êtes même pas safe chez vous. Ah, peut-être tenir. On va essayer un truc. Un truc qui va sûrement fonctionner qu'en 2016 aussi. Mais, on ne sait jamais. Non, ça c'est beaucoup trop haut, Tony, s'il vous plaît. Le nouveau buff de Chacal. C'est juste insane, la vitesse à laquelle vont les munitions. Elles vont tellement loin. Impressionnant. Donc là, tu vas me dire qu'il y a une Moira qui est passée. Oh, il y a même un Doomfist. C'est fou. La charge de gravité après. LOL. Comment je t'ai timé ça? Il a fait paf le Doomfist. On va pouvoir mettre ça parce qu'en 2016 ça fonctionnait bien. Paf. Et ça fonctionne toujours bien en 2019. On est bien. Allez, on refait toujours. Ça fonctionne bien. En 2016 ça fonctionnait. En 2019 ça fonctionne. On continue. Doomfist qui va repasser par là? Non. Ah, il est là-bas. Il est là-bas le coquin. Sauf quoi? Comment ça t'as réussi à passer? Mais non! Mais non! En 2019, ça marche comme ça maintenant! On fait genre, il y a le trap, tout le monde l'a vu! Ah! Attendez, il y a quelque chose là! Moira! Elle mourra! La Moira! Et ben voilà! C'est très simple de jouer Chacal! Tu mets le piège devant une porte! En 2016, ça fonctionnait! Ça fonctionne toujours en 2019! Donc c'est plutôt efficace! Donc le skin chacal, il est génial du coup, puisque ça fonctionne aussi. Donc c'est un perso jouable toujours en 2019. Rien à redire. Donc voilà, nous on va s'arrêter là-dessus. C'était la dernière vidéo des skins en action. Nous avons fait Macri, Zarya un peu chaotique et on s'est rattrapé du coup sur le chacal, plutôt sympatoche sur Volskaya. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like, un partage et un comment. Et nous, on se retrouve, comme d'habitude, pour de nouvelles aventures. Très bientôt, en nouvelle vidéo. Ciao, à bientôt. Bye bye.